Jasage de jeu de rôle pour une vidéo réponse à Pat Bou sur sa vidéo pièce de théâtre, improvisation, à quel moment un jeu de rôle n'est plus un jeu de rôle. Ben, je pense que peu importe les règles, si tu incarnes un personnage, ça reste un jeu de rôle. Dans le sens que même de l'improvisation, c'est un jeu de rôle, je crois. Là, ça dépend si toi, tu te reconnais dans ce jeu-là. Peut-être que toi, c'est un type de jeu que t'aimeras pas. T'sais, peut-être que toi, t'as besoin de dés, puis t'as besoin de cartes, t'as besoin de, comment ça s'appelle, du hasard, t'sais. Moi, j'étais un gars comme ça qui aime quand même du hasard, mais t'sais, j'aime faire de l'improvisation. J'appellerais peut-être pas ça un jeu de rôle, j'appellerais ça de l'improvisation, mais quand on y pense, c'en est un. Tu joues un rôle et tu as du plaisir. Donc, c'est un jeu de rôle. Pour vrai, c'est une question d'intervention super brillante, pas de bout. J'ai vraiment aimé l'écouter. J'étais comme, ah, c'est une bonne question. C'est intéressant de s'y pencher, tu sais. Puis de dire, ouais, qu'est-ce qui est un jeu de rôle, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je pense que le fait qu'il y ait du hasard, qu'il y ait des jeux, qu'il y ait des dés, qu'il y ait des cartes, que. Yay, comment ça s'appelle, un personnage, ça, tout ça fait que c'est un jeu de rôle, mais si tu les as pas, tu restes quand même dans un jeu de rôle, mais peut-être que c'est pas le type que tu veux, tu sais, comme on. Tu sais, c'est con à dire, là, mais là, une couple d'années, c'est là que j'ai découvert qu'il existait des jeux de rôle sans combat. Tu sais, il y en a que c'est tu te bats pas, puis j'ai fait comme, ah, mais c'est cool ça, quand même. Puis. C'est un jeu de rôle quand même, t'sais. Fait que c'est juste qu'on a tellement été habitué à le jeu de rôle, t'sais, c'est ça. T'sais, tu joues un personnage, tu pètes des gueules, tu ramasses des trésors, t'sais. Puis là, ben, les jeux de rôle se sont diversifiés, se sont éparpillés, là, t'as tous les styles. T'sais, puis là, quand t'arrives, mettons, à The Final Girl, c'est un jeu de rôle, même si tu décris tout, tu choisis tout, la seule chose qui change, c'est quand tu tires des cartes, t'sais. Fait que. Puis là, il n'y a pas de loot, il n'y a pas rien, mais il y a quand même une petite part de hasard, tu sais. Je connais pas vraiment de jeu. Je ne sais pas s'il existe des jeux qui n'ont pas de hasard dedans du tout. Probablement que je considérerais ça comme un jeu de rôle. C'est juste que c'est pas le jeu que tu recherches, Pat. Mais c'est probablement des bons jeux, des personnes qui ont besoin de ça aussi, qui, eux, n'aiment pas que le hasard intervienne trop. Peut-être. Fait que c'était ça ma vidéo-réponse. À la prochaine.